Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée, bienvenue dans ces 28 minutes de prière matinale qui seront disponibles sur YouTube. Vous êtes peut-être en train déjà d'écouter cette émission sur la chaîne d'EMC sur YouTube. Je vous encourage à vous abonner à cette chaîne. Chaque jour de l'année, je fais une nouvelle émission de prière. Chaque jour de l'année, vous avez 28 minutes de prière qui sont disponibles pour vous. Et je vous encourage à prier, à suivre cette émission, à prier avec nous au quotidien. Ça va vous rapprocher du Seigneur. On a tellement de témoignages. Vous êtes des milliers de personnes à rechercher, à prier le matin, que vous soyez catholique, protestant, évangélique. Ce qui est important, c'est de s'approcher de Jésus-Christ, de ne vivre que pour lui, de lui obéir et d'obéir à sa parole. Alors, dès maintenant, on va passer un temps à prier. Et je vais vous encourager à déclarer cette parole, ces paroles après moi. Vous pouvez les déclarer après moi. Vous pouvez prier aussi en même temps, m'accompagnant, déclarer ces prières avec moi, ces paroles avec moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à passer un temps dans la présence du Seigneur Jésus-Christ? Lui, il est prêt, il nous attend. Et c'est pourquoi nous déclarons ensemble. Seigneur, merci pour cette nouvelle journée. Je veux vraiment que la personne, l'homme de prière que je suis en ce moment, cette personne qui s'arrête pour prendre un temps avec toi, que ce soit cette même personne qui soit au travail tout à l'heure, que ce soit cette même personne en cette journée. Je ne veux pas, Seigneur, que ce que je fais chaque jour, chaque matin, ce temps de prière, ce soit simplement quelque chose qui n'est pas en rapport avec ce que je fais tout le reste de la journée. Je ne veux pas être un chrétien qui se cache. Je ne veux pas être hypocrite. Je ne veux pas faire semblant. Je ne veux pas juste être un chrétien quand je suis à la maison et être comme si je ne te connaissais pas le reste de la journée. Mais je veux, Père, que en cette journée, je puisse te glorifier. Je veux vraiment, Seigneur, que dans quelques minutes, quand je serai au travail, il y ait une lumière et une expression de ta personne qui sortent de moi. Je refuse de me cacher. Je refuse de n'être spirituel que le matin ou dans mes temps de prière à la maison ou le soir après le travail. Mais je te demande, Seigneur, il doit se passer quelque chose dans cette journée. Parce que je suis ton enfant, parce que je t'appartiens, parce que je suis à toi, je refuse, Seigneur, de vivre des journées normales. Je refuse de vivre des journées comme pourrait le vivre n'importe quel de mes collègues, de mes amis non chrétiens. Parce que je passe ce temps avec toi. Parce que je te reconnais dans toutes mes voies. Parce que je passe ces 30 minutes de prière à tes côtés, à tes pieds, voulant t'exprimer ma reconnaissance, mon amour, mais aussi mon besoin de toi, ma soumission à ta volonté, ma recherche de qui tu es. Je veux simplement, Seigneur, t'exprimer en ce temps de prière, t'exprimer mon abandon à toi. Je suis à toi, Seigneur. Et mon désir le plus grand, c'est de ne pas être un chrétien inconnu, un chrétien qui se cache. Non, aujourd'hui, Seigneur, je prie qu'il se passe quelque chose, que déjà tu me précèdes sur le lieu de mon travail, que déjà tu me précèdes dans mes différents rendez-vous, dans les endroits que mon pied va fouler. Je prie, Seigneur, que tu me précèdes, que tes anges me précèdent. Toi qui connais tout à l'avance, tu sais exactement par quel chemin je vais passer. Tu sais exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Tu sais quelles seront mes décisions, quelles seront mes paroles, quelle sera mon attitude. Tu connais tout. Et Seigneur, ma prière, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui même, alors que je te reconnais, dans ce temps de prière où je suis là juste avec toi, que dans cette journée, je sois la même personne, toujours aussi spirituelle, toujours autant à ton écoute, toujours dans un esprit de prière. Ma prière, Père, aujourd'hui, c'est de ne plus cacher ma foi. C'est de ne pas faire semblant
de ne pas être hypocrite. Parce qu'en réalité, cacher ma foi, ce serait mentir. Mais je te demande, Seigneur, par ton esprit, donne-moi la force d'être un témoin. Donne-moi la force de parler de toi. Donne-moi la force de marcher dans l'amour. Je prie qu'il y ait un tel amour qui se dégage de ma personne que les gens se posent la question. Mais pourquoi es-tu si gentil? Pourquoi es-tu si heureux? Je prie que comme la gloire qui se dégageait du visage de Moïse, eh bien, Père, il y a cette même gloire qui se dégage de moi tout au long de cette journée. C'est mon plus grand désir, Seigneur, c'est que tu sois glorifié. Seigneur, comme Bartimée l'aveugle, je refuse de cacher ma foi. Comme Bartimée l'aveugle, je refuse de faire taire ma foi. Non, je déclare, je ne me tairai pas pour raconter la grandeur de Dieu. Vous pouvez déclarer avec moi, je ne me tairai pas en cette journée, mais je raconterai la gloire de l'Éternel. Je ne serai pas un chrétien caché, mais aujourd'hui, ils vont reconnaître que j'appartiens à Dieu. Je ne me tairai pas quand Dieu me poussera à prier, à exhorter, à faire du bien, à aimer, à offrir. Je ne me tairai pas. Comme Bartimée, je vais crier. Comme Bartimée, on va m'entendre. Ils pourront essayer de m'arrêter, mais ils ne le pourront pas. Ils pourront essayer de me faire taire, mais ils ne réussiront pas, parce que ma bouche sera grande ouverte pour proclamer la gloire de Dieu, parce que ma bouche sera ouverte pour parler de la part du Seigneur, parce que Dieu m'a établi comme un prophète dans ma génération. Il m'a établi comme un prophète dans mon travail, dans ma société, dans l'endroit où je suis, Dieu m'a établi comme un prophète. C'est ce que je déclare, Seigneur. Oui, tu m'as établi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je veux prier. Je veux prier pour mes collègues de travail. Je veux prier pour les personnes qui sont autour de moi, que je vais rencontrer. Père, je prie qu'ils puissent te découvrir. Je prie qu'ils naissent de nouveau. Je prie qu'ils soient guéris de leur maladie. Je prie que la discussion s'ouvre pour que je puisse apporter ta lumière. Je prie que tu me donnes des illustrations, que je trouve l'endroit, le moment où je pourrais partager ma foi. C'est vrai, je veux agir, Père, avec cette sagesse par rapport à mon témoignage de foi dans le milieu dans lequel je suis, dans lequel j'évolue, mais je ne me tairai pas. Parce que tu m'as demandé d'être un porte-parole. Tu m'as demandé d'être un témoin. Tu m'as demandé d'aller, et je veux aller. Je ne me cacherai plus. Je ne me tairai plus. Mais je dirai ce que tu as fait pour moi. Je chuchoterai, je murmurerai, je dirai, je déclarerai, je proclamerai, je prophétiserai sur mes amis, sur ce collègue de travail. Saint-Esprit, je suis devant toi. Je suis devant toi, Saint-Esprit. Et je pense à cette personne, ce collègue, cette personne que je vais voir aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Qu'est-ce que tu veux que je lui dise de ta part? Quel geste tu veux que j'aie pour lui? En ce moment même, le Saint-Esprit est en train d'apporter des révélations. Certains, vous recevez un mot et vous allez creuser dans ce mot une image. Et vous demandez, Saint-Esprit,
Qu'est-ce que tu veux me dire? Pourquoi tu me montres cette image? Toi qui révèles les cœurs, qui connais les cœurs, révèle-moi le cœur de ces gens. Révèle-moi le cœur de cette personne pour que j'aie une parole à propos. J'ai une parole de connaissance. Que cette personne te glorifie. Comme Daniel, je prierai le matin, le midi et le soir et personne ne pourra m'en empêcher. Même si les lois de mon pays voudraient m'empêcher de prier, je prierai. Même si ça devenait dangereux, même si on m'interdisait de vivre ma foi, c'est mon droit de croire, c'est mon droit de prier, autant que c'est le droit des idolâtres de faire leurs choses. Je déclare sur cette journée que c'est mon droit de vivre ma foi, que c'est mon droit de louer Dieu, que c'est mon droit d'encourager, que c'est mon droit de témoigner, que c'est mon droit d'agir avec mes convictions qui sont basées sur ta parole. Alors oui, je dirai au roi de ce monde, sachez au roi que je ne servirai pas vos dieux et que je n'adorerai pas vos statues d'or parce que vous les avez élevées pour faire tomber les peuples, mais ces idoles sont mortes à mes yeux. Elles ne sont rien pour moi. Je déclare que Mammon et les autres n'ont pas de puissance sur ma vie et n'ont aucun accès dans mon cœur, aucune place en celui que Dieu a justifié, car je suis saint. Et saint est celui que je sers. Oui, je suis saint et Mammon n'a pas de pouvoir sur moi. On ne me fera pas de chantage. On ne pourra faire de pression sur moi pour que je me taise. Mais je partagerai ma foi avec amour. Parce que lorsque j'ouvre ma bouche, c'est le salut. Comme la lumière du soleil, comme le soleil qui se lève. Lorsque j'ouvre ma bouche, les cœurs sont touchés par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Oui, je prie, Père, qu'en cette journée, tu me donnes une des opportunités de briller. Tu me donnes des opportunités de parler de toi. Tu me donnes des opportunités de briller. On a interdit à Daniel de te prier et pourtant il l'a fait. On a demandé à ses amis d'adorer la statue, mais ils n'ont pas voulu. Et Seigneur, je veux être de cette trempe. Je veux avoir ce caractère, cette assurance, comme l'ont prié les premiers apôtres, les premiers disciples, les premiers croyants. Seigneur, les chefs de ce monde, les princes se sont ligués contre ton serviteur, contre ton oint. Alors, donne-moi l'assurance de parler de toi. Donne-moi l'assurance de parler de toi. Déclarons ensemble, je ne me souillerai pas. Ils pourront faire chauffer la fournaise 7 fois plus qu'auparavant. Je refuserai de me souiller. Je refuse que la peur puisse dominer ma vie parce que la peur ne domine pas ma vie. Elle n'a pas de pouvoir sur moi. Ils pourront me tenter 7 fois plus, mais le Seigneur sera encore mon aide, encore mon secours, encore mon protecteur, encore mon abri, encore je me réfugierai sous ses ailes. Je le déclare au nom de Jésus-Christ, Dieu est mon refuge en qui je me confie et je ne me souillerai pas. Ils pourront exercer sur moi la pression. La femme adultère pourra se pointer à l'horizon. Elle pourra venir devant moi. Les voleurs pourront me proposer de s'asseoir avec eux. Les diffamateurs de diffamer avec eux. Les idolâtres de former des cultes d'idolâtrie. Mais je ne le ferai pas. Je ne mentirai pas. Je ne volerai pas. Je ne tromperai pas. Alléluia. Je ne tuerai pas par mes paroles. Non, je ferai du bien et j'honorerai. J'honorerai et j'aimerai mon Dieu et mon prochain. Je le déclare en cette journée. Je suis un être rempli d'amour. Je suis doux et je suis patient.
Je suis inspiré par l'Esprit de Jésus-Christ, inspiré par l'Éternel. Je suis inspiré par Dieu. Oui, inspire-moi encore, Saint-Esprit. Inspire-moi. Inspire-moi. J'ai tellement besoin de cette pluie d'inspiration. Oh, inspire-moi, Seigneur. Oh, brenda la balio sotto lo yo. Aim brenda li che le sopra tolo ye vrito branda la yasso. Je ne suis pas un être charnel, je suis un être spirituel. Alléluia. Oh, brenda la maite prasotto coloboria brasotteli. Oh, je ne suis pas l'homme d'un moment, je demeure. Alléluia. Je ne suis pas un homme qui se cache. Non, je suis révélé pour que Christ le soit à travers moi. Oh, Sabrambaye Bebrayaso, je ne suis pas à demi, je ne suis pas tiède, non. Je ne suis ni chaud ni froid, je suis bouillant. Il y a balta la main dans le corps, bro, paya, lite de braya. Ce que je fais, je le fais. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ce que j'ai déclaré, je l'ai déclaré. Ce que j'ai décidé, je l'ai décidé. En Jésus-Christ, j'ai tout pleinement. Et je pratique la parole de Dieu à 100% par l'Esprit de Dieu. Je ne veux pas la pratiquer à 50, non. Je ne veux pas être consacré un petit peu juste le matin quand je suis à la maison, être un bon chrétien. Non, non, je veux être un chrétien, un disciple de Jésus. Je veux être ton disciple, Seigneur, toute cette journée et toute ma vie. Je veux vivre dans une totale consécration dans le courant de cette journée, dans le courant de ma vie, être pleinement à toi. C'est pourquoi je remplis les pièces de ma maison de cette prière en langue. Je remplis les pièces de ma maison de ce chant. Je remplis les pièces de ma maison de cette prière. Je n'aurai pas peur que le voisin m'entende. Alléluia. Non, je n'aurai pas peur que le collègue sache que je suis enfant de Dieu. Je n'aurai pas peur qu'on sache que je me confie en Dieu et non pas en moi-même. Oh, je n'aurai pas peur. Je n'aurai pas peur de ce que les gens peuvent penser de moi. Parce que Seigneur, tu n'as pas eu peur et tu n'as pas eu honte d'aller dénudé sur la croix. Tu n'as pas eu honte de souffrir le calvaire. Tu n'as pas eu honte de souffrir sur cette croix. Tu n'as pas eu honte qu'on te crache dessus. Tu n'as pas eu honte, Seigneur, de t'abaisser comme un misérable homme. Seigneur, tu n'as pas eu honte de te rabaisser à la mesure d'un homme. Tu n'as pas eu honte, Seigneur. Alléluia. Oh, grâce toi, baille de débat, mando, bro, peloco, loupros, toi, brombe, lide, l'obra, sotoloya, bababababandele, le kouenge. Alléluia. Oh, je suis inspiré par toi. Inspiré, dirigé par toi. Oh, sabrambaye, bere, andele, tababandele, owe. Soye, sobrambababronde, lide, de corio, soye. Oui, dirigé, inspiré. Inspiré, dirigé. Rempli du Saint-Esprit. Oh, déclare-le, mon frère, mon ami. Inspiré par toi. Dirigé par toi. Un instrument entre tes mains. Disons-le ensemble, frère et soeur. Inspiré par toi. Dirigé par toi. Je suis un serviteur. Un serviteur utile. Serviteur. Inspiré par toi. Dirigé par toi. Un serviteur utile. Un serviteur utile. Inspiré par toi, dirigé par toi, comme une parole de foi qui ne se base pas sur ce que tu as fait hier, pour ce que tu es, mais sur la parole de Dieu. Oui, je suis inspiré par toi, je suis dirigé par toi, je suis un serviteur de Dieu. Du Dieu vivant. Je suis un serviteur de Dieu. Serviteur. Et qu'on me reconnaisse ainsi. Inspiré par toi. Dirigé par toi.
Je suis un serviteur. Un serviteur de Dieu. Oh, alléluia. Oh, que tout sache. Inspiré par toi. Que mes enfants sachent. Que ma famille sache. Que mes collègues sachent. Que le monde sache. Que je suis un serviteur du Dieu très haut. Du Dieu très haut. Oh, bria massi, bré, bébé. Inspiré par toi. Dirigé par toi. Oh, du Dieu très haut. Alléluia. Oh, ma vie est utile. Ma vie est utile. Ma vie est utile entre tes mains. Je ne suis pas caché. Je suis révélé. Je suis révélé par toi. Je suis révélé par toi. Je suis un serviteur du Dieu très haut, inspiré, inspiré par toi, dirigé, dirigé par toi. Je suis un serviteur du Dieu très haut, inspiré par toi, dirigé par toi. Je suis un serviteur du Très-Haut, inspiré par toi, dirigé par toi. Je suis un serviteur du Dieu Très-Haut. Je suis le sel de la terre, je suis le sel, je ne perds pas ma saveur. Non. Je suis une lumière dans ce monde. Je suis elle éclaire les nations. Alléluia, la lumière des nations, oui. Elle éclaire les nations. C'est l'écho du cœur de Dieu. Oh, alléluia. Et je vis sous la grâce. Je suis la voix de mon Dieu. Je suis la voix du Dieu très haut. Je suis sa voix. Je suis l'écho de son cœur. L'expression de son amour. Alléluia. L'expression de sa nature. Son amour. L'expression de sa gloire. Oui. L'expression de sa gloire. J'ai les traits du roi. L'expression de sa gloire. Oh, je suis l'expression de la nature divine. Oh, le caractère divin. La douceur de son amour. La puissance du Saint-Esprit. L'amour du Père, tout ce que mon Dieu est, car tel il est, tel nous sommes, tel il est, tel nous sommes, tel tu es, tel je suis. Oui, alléluia, alléluia, tel il est, tel nous sommes, tel tu es, tel tu es, je suis l'expression de mon Dieu. De mon Dieu. Oh, je vis sous ta grâce, je vis dans ta grâce. Oui. Je suis gracié, justifié, pardonné et aimé de mon Père. Tu m'as tant aimé que tu as donné Jésus-Christ, que tu as donné ta vie. Tu m'as tant aimé que tu t'es abaissé jusqu'à moi. Tu es venu dans la souillure de mon péché. Tu es venu dans la poussière. Dans la poussière, tu m'as aimé. Dans la poussière, tu m'as pris. Dans la poussière, j'étais dans la poussière et je vivais n'importe comment. Je te méprisais, je méprisais la sainteté. Je vivais dans des futilités, pour des futilités. Mais tu es venu me chercher et tu t'es abaissé et tu t'es sali pour moi. Tu as sali ton vêtement, tu as sali tes pieds parce que tu as marché dans la poussière de mon péché et tu m'as purifié, tu as soufflé avec le souffle de ta bouche et toutes ces souillures sont parties. Toutes ces souillures m'ont quitté. Ton sang m'a purifié. Ton sang m'a pardonné. Je vis par toi. Je vis pour toi. Alléluia. Et on ne trouvera sur moi aucune blessure de ce feu. De ce feu dans lequel on veut me mettre. Oh, ils peuvent chauffer la fournaise cette fois plus. On ne trouvera sur moi aucune blessure. On ne trouvera sur moi aucune odeur du péché. On pourra me jeter dans la fosse aux lions, mais les lions ne briseront pas mes os. On ne trouvera aucun de mes os. Aucun de mes os ne sera cassé, ne sera brisé, selon la parole de l'Éternel. Cette fosse injuste dans laquelle on m'a plongé,
m'introduira simplement dans de nouvelles révélations, dans de nouvelles expériences avec mon Dieu, alors qu'on m'introduira et qu'on veut m'introduire dans ces fausses injustices, dans ces fausses de mensonges, dans ces fausses de méchanceté, je déclare au nom de Jésus-Christ que si même mes pieds les foulent, je ressortirai plus fort. Alléluia. Oh, j'en ressortirai fortifié. Je ressortirai avec une nouvelle révélation, avec une nouvelle expérience de Christ, m'associant, m'identifiant aux souffrances de Jésus-Christ. Alléluia. Je connaîtrai mon Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on me blesse, alléluia, on me rend plus fort. C'est pourquoi lorsqu'on parle contre moi, je suis fortifié. Lorsqu'on est injuste envers moi, je suis fortifié, car je m'identifie à toi, Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on est injuste avec moi, je viens me couvrir sous tes ailes de justice. Et tu viens me dire, j'ai vécu la même chose, j'ai porté cette injustice. Oh, alléluia! Oui, Seigneur, lorsqu'on est injuste avec moi, je me rappelle qu'on l'a été envers toi. Alors je m'identifie encore plus à ce que tu as fait. Aucun des lions qu'on a affamés ne briseront mes os. Aucun de ces lions ne me blessera parce que je compte sur toi. Et plus il y aura d'injustice accomplie à mon égard, et plus je compterai sur toi. Car tu es ma justice, ô Dieu. Je compte sur toi dès le matin. Plus que les gardes ne comptent sur le soleil qui se lève, je compte sur toi parce que tu es mon soleil. Tu es le soleil de la justice. Alléluia. Et tu as déclaré que te connaître, c'est la vie. Et que la bénédiction qui vient de toi ne sera suivie d'aucun chagrin. C'est pourquoi je ne connaîtrai pas le chagrin. Et en cette journée, aujourd'hui, comme Bartimée a jeté son manteau, persuadé qu'il allait voir, aujourd'hui, je jette mon manteau d'esclave. Je jette mon manteau d'incrédulité. Je jette mon manteau de stagnation. Je jette mon manteau de honte. Je jette mon manteau d'indécision. Je jette mon manteau d'arrêt, d'inertie, de blocage, de paralysie. Je jette aujourd'hui mon manteau d'ignorance. Je jette aujourd'hui le manteau qui me couvrait et qui cachait Christ en moi. Mais aujourd'hui, Seigneur, devant toi, me voici pour accomplir toutes tes volontés. Me voici en cette journée pour glorifier l'agneau de Dieu. Alléluia, pour l'adorer. Oh, je te glorifie, Jésus-Christ, je t'adore, Seigneur. Tu es glorieux, merveilleux, extraordinaire et digne de louange. Tu es digne de gloire et d'honneur.